Waouh, c'est trop beau. Des fois, j'ai besoin de ce calme, de pouvoir m'échapper un moment. Clem. Ouais. Je sais que t'es revenu pour les médocs, pour AJ, mais après tout ça, t'aurais pu repartir. Éviter tout ce merdier avec les pilleurs. Pourquoi t'es resté? Pardon, ça me regarde pas après tout. T'es pas obligé de répondre. C'est ma maison ici. Tu sais, j'en avais pas eu depuis bien longtemps. AJ n'a pas eu la chance d'avoir une maison. C'est la première fois qu'il se sent vraiment chez lui. C'est cool. Est-ce que tu connais des constellations? Non. Et toi? J'en ai appris à l'école, mais je les ai toutes oubliées. On n'a qu'à en inventer. Allez, ramène-toi. Viens t'asseoir. Tu vas pas tomber, t'inquiète. Si je me souviens bien, on est tous sous un signe particulier. C'est ça? Ça détermine notre personnalité. C'est l'astrologie, pas l'astronomie. Pareil, on peut tout inventer. Les règles, les signes, ce que ça dit sur nous. De toute façon, plus personne sait comment ça marchait. Ok, je commence. Là, tu vois? C'est un poisson. Ouais. Et maintenant, sa personnalité. Brillant, mignon, sympa avec les autres, toujours en mouvement, plein d'énergie. Ça te fait penser à quelqu'un? Le coup de l'énergie, c'est facile. Ça, c'est AJ. Toujours dans mes pattes, à monopoliser mon attention. C'est pour ça que je l'aime. Il devient un peu plus sociable avec les autres. Tu fais du beau boulot avec lui. Au suivant. Maintenant, je vois un couteau. Tu le vois, toi? Juste là, pile au-dessus de toi. Elles sont toutes au-dessus de moi. Génial. Là, c'est facile. Malin, précis, hargneux, fiable. Quelqu'un que tu veux avec toi quand tu te bats. Se laisse pas marcher sur les pieds. Se bouge le cul. C'est toi tout craché? Ça me plaît bien. Ouais. Ok. Encore un. J'ai trouvé un oiseau. Comme un vrai oiseau? Non. Un oiseau d'étoile. Un oiseau, c'est libre. Ça peut aller où ça veut. Monter de plus en plus haut dans le ciel et ne jamais revenir. Voler vers le sud, l'est, l'ouest, peu importe. T'aimerais que ce soit toi, pas vrai? Des fois, quand tout devient trop pesant ici, je me demande souvent ce que ça ferait de pas sentir tout ce poids. Désolée, je voulais pas dire ça comme ça. C'est que j'ai vu plein de monde partir. La famille, les amis, ils reviennent jamais. Mais toi, si. Et maintenant, j'arrive plus à envisager que tu sois loin d'ici. Merde. Ça a l'air encore plus con quand je le dis à voix haute. On est amis. C'est précieux. C'est bon d'avoir une amie. Quelqu'un à qui je puisse faire confiance. Alors quoi? On s'échange des bracelets d'amitié, maintenant? Ce sera pas officiel si on le fait pas. Ah, je déteste les trucs créatifs.